Oh non, je voulais faire une entrée beaucoup plus épique. Je suis venu vous aider. Maintenant, on joue à Star Wars Jedi Survivor. C'est parti. Alors attendez, avant de commencer, je vous explique. Cette vidéo a été tournée en même temps qu'un stream, à la fin duquel je donne mon avis global sur tout le jeu et ce que j'en pense. Mais avant ça, je vous ai fait une petite compilation des meilleurs moments. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va vendre les patates. Oh, c'est encore pire. Oh, le déguisement qui se découvre. Avec peu de lumière, ça passait. Et là, frère, c'est finito. Aujourd'hui, nous allons combattre des Stormtroopers. C'est parti. La cape du bataillon d'exploration. Elle est. Allons sauver Levi. Non mais frérot. La comasse, on est bien. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette vidéo. Je suis très surexcité à l'idée de jouer à Star Wars Jedi Survivor. On lance le jeu. Eh les gars, je vous ai poli. Je me suis chopé une petite chope. Astra. Jedi Survivor has crashed. Comment ça, mon ref? Bah, tu vas le relancer, gros. Pourquoi pas? J'ai trop hâte. Ouh. Oh, j'ai trop hâte. Oh, let's go. Oh, le jeu, il est incroyable. T'aurais dû mourir avec tes semblables, traître. Comment ça, traître? Putain, l'ordre 66, c'est pour eux, hein. Oh, y a des petits coups de frise, hein. Mais ça va, c'est quoi ces Stormtroopers du Bled? Ce que dit la propagande. Oh putain, j'ai eu peur de fou. Oh, il m'a fait peur, gros, j'ai reculé, il m'a poussé. C'était pas mon sabre à la fin du 1 par contre, hein. Je suis déçu. Ah, il était orange, moi. Oh, j'adore. Hop, ça dégage. Cible un ennemi. Oh, je peux cibler un ennemi, ça c'est une dingue par contre. Je savais pas. Maintenez triangle pour effectuer une attaque projetée à longue portée. Bon, bah, ça achète, hein. Mais j'y avais pas déjà? C'est pas à longue portée, ça. La longue portée, c'est à 45 cm. De fou, c'est vraiment la taille du sabre. Bon, on va aller là-bas. Je prends pas de dégâts de chute, hein. Ah, bon, bah si, visiblement. Quoi? Frère, il se pète les jambes comme un clodo. Non, mais gros, t'as la honte, par contre. Jedi du Bled, il tombe de 1 mètre, il fait une crise cardiaque. Mais de fou! Ah, j'avais pas vu. Un turbo hot dog, il a dit. C'est là-haut, ça part. Vas-y, tire. Je fais la petite pause. Hop, toi ça dégage. T'es pas sa pause. Et en plus quand il utilise son pouvoir, genre vraiment il fait vraiment en mode. Oh la dingue, il lui a jump dessus comme une mante religieuse. Je pensais que c'était une upgrade à prendre. Wouah. Oh, j'adore. Wouah, ça freeze. 4090. J'ai hâte de personnaliser. Frérot, pourquoi il a des mantos? Moi j'aime bien en vert, comme ça. Ouais, il est stylé. Pas de veste en vrai, non, ça fait un peu... Non, on dirait qu'il est nul. Blanc c'est pas mal, hein. En vert aussi c'est pas mal. Ouais, beaucoup de vert, j'adore le vert. En vert aussi? Allez, en vert. J'adore le vert. Ah, mais ta gueule, laisse-moi me personnaliser un petit peu là. Il y a un truc là, 100% il y a un truc. Ah non, on revient où on était. Ah non, merde, je viens de là. Vous entendez ça? On prend en portée. On va win. On prend en portée. Ils nous ont mis ça dans des bento. Allez, on mange à la maison. Patissa. Kulka. Patissa. Kulka. Oh mais non, ça change la couleur de ma manette. Incroyable. Bleu, vert, violet, orange. Stylé. Oh les Jawa, let's go. Outiri. Outiri. Hop là. On va dégommer du Jawa. Le niveau des ombres là, c'est éclaté là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, y a pas d'ombre là. Tu te fous de ma gueule. Je mets du ray tracing pour que me retrouver avec des trucs comme ça là. Ouais, ça manque de profondeur d'occlusion ambiante, si je puis me permettre, en tant que connaisseur de jeux vidéo. Plus dangereux en grand nombre? Non, nul. Zéro. Frère, les B1, c'est les plus nuls de la
de toute la galaxie, ils sont cons comme des culs. Entraînement ? Oh, je peux faire des trains ? Ah, stylé. Mais j'ai pas envie. Ok, oh, je vais le fumer. 3, 2, 1. Bah, ils sont cons comme des culs. Attends, mais il s'est pété la gueule tout seul là ? Ah, il nous danse la capoeira ! C'est parti ! Ah, il s'est endormi. Qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai pas capté ! Je peux les fumer ou pas ? Tu crois que je pourrais le faire, BD ? Tu crois que je pourrais le faire, BD ? Tu crois que je pourrais les fumer, BD ? Je pense que ouais, je pourrais me les faire, BD. Donc, pour en arriver à la conclusion, en tout cas, j'ai beaucoup aimé les graphismes qui ont été quand même, ça se voit, améliorés. Un peu déçu juste des zones où il y avait vraiment du feuillage à la fin, là, où vraiment, je trouve que ça manque d'occlusion ambiante, ça manque de profondeur, d'ombre. Je sais pas pourquoi il y en a aussi peu. Après, c'est sans doute très gourmand, mais ça pourrait être une option, comme ça l'est dans 98% des jeux. Mais je trouve qu'il y a un côté où tout a l'air un peu lissé, en fait. C'est très bizarre. En tout cas, dans cette zone où on était à la fin, les combats sont kiffants de fou. Les mechas, je les trouve archi intéressantes. Il y a un peu plus d'animation, j'ai un son de combat, de finish, des trucs comme ça. Et franchement, c'est agréable de fou. Au niveau de la difficulté, en vrai, en moyen, je trouve que ça va. C'est ni trop facile, ni trop compliqué. Au niveau de l'opti, bah les gars, il va falloir faire quelque chose là. Je sens les petits freezes, les petits coups de lag, les petits trucs comme ça. Et je suis avec une 4090. C'est pas pour me vanter, hein, mais dans le sens où... Voilà, si avec une 4090, je suis pas capable de faire tourner Star Wars Jedi Survivor, bon, qui le fera ? On accepte le manque d'opti, mais il faut juste que ça arrive avant 2027. Pour les 5 premières heures de jeu, kiffant de fou, j'ai adoré. L'édition de luxe, je sais pas si c'est nécessaire, je l'ai pas acheté, mais payer 20 balles de plus pour une édition où t'as juste un sabre laser. Après, c'est Electronic Arts, on a l'habitude. On a l'habitude, dès que tu veux un DLC en plus, tu payes 20, 30 balles, 40 balles en fonction du DLC. Que dire de plus ? Si ce n'est que foncez, achetez-le si vous aimez Star Wars, si vous avez joué au 1 et que vous voulez jouer au 2. Franchement, aucune hésitation à avoir. Moi, je ne peux que recommander. Oh. Bon, du coup, pour finaliser cette vidéo, j'ai enlevé ma cape parce que j'ai beaucoup trop chaud, vraiment, c'est horrible. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de toutes les vidéos. Normalement, à partir de la sortie de cette vidéo, ça sortira toutes les semaines à la même date et à peu près à la même heure, normalement, si c'est... sans problème. N'hésitez pas à liker la vidéo pour que je puisse savoir si vous avez aimé le concept, que je puisse en faire d'autres avec d'autres jeux qui sortiront. N'hésitez pas aussi à commenter s'il y a des choses à améliorer, tout ça, vous connaissez la routine, hein, comme d'habitude, YouTube, on connaît bien maintenant. Et puis du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo, la semaine prochaine. Des gros bisous, et que la force soit avec vous. C'était sensuel, j'adore! Arrête, arrête. Non frérot, tu peux pas faire ça à chaque fois. Au moins, ça commence à m'énerver.